Aujourd'hui encore pour l'année 22 de la Pentecôte, nous sommes très très heureux et bénis d'avoir avec nous le Père Gustave Mirac, un prédicateur né, un prêtre qui aime beaucoup son Église et le peuple de Dieu, pour une autre prédication sur l'année 22 de la Pentecôte à la radio de l'Israël. Et comme nous connaissons que le Père Mirac ne passe vraiment de présentation, il est toujours, toujours avec nous. Parce que sans souci, c'est vraiment d'envoyer le peuple de Dieu. Et c'est l'idée que bon Dieu a, alors ça peut être lié dans tout petit détail, la vie. Et malgré toutes les difficultés et manque de temps, que le Père Mirac est toujours là. Et que le Père Mirac est vraiment que Nabdo. Bienvenue encore à la radio et Télé-Solidarité pour le 7e jour et 9e de la Pentecôte à la radio Télé-Solidarité. Merci, frère Buteau, pour l'introduction. Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Bienvenue donc au 7e jour de la neuvaine au Saint-Esprit. C'est avec un pied de joie d'apprendre à entrer la caille. Avec bel thème Jodia, les symboles et images du Saint-Esprit. Mais d'abord, à nous entrer donc dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as été d'âge en âge pour nous un refuge, une force, au jour du malheur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous présentons devant toi. En cette neuvaine au Saint-Esprit, donne-nous la force et la puissance pour continuer dans le monde ton œuvre d'évangélisation, afin que le monde sache que ton plan pour lui, un plan de justice, un plan de vérité, un plan de paix et un plan d'amour. Nous te le demandons, nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je nous dis au livre précédemment, ce que nous avons développé avec aujourd'hui, donc, c'est les symboles et les images du Saint-Esprit. Donc, Dieu utilisait en pile symboles, en pile images, par le passé, mais également par le présent, pour permettre nous de découvrir
qui le et qui bon l'esprit c'est un yet qui bon cet esprit là qui le cet esprit là mais également pour comprendre symbole ça yo qui ça yo veut dire qui ça yo représente. Donc on nous prend premier symbole, première image du Saint-Esprit. Premier symbole du Saint-Esprit, c'est de l'eau. De l'eau. Nous venons dans 1 Corinthiens 12, verset 13, Jean 19, verset 34, Jean 4, verset 10 à 14, et nous venons tout dans Exode 17, verset 1 à 6. De l'eau. De l'eau signifie l'Esprit Saint qui a l'œuvre qui a agi. Regardez, de l'eau, c'est couler la couler, hein, en source de l'eau, parce que c'est toujours source, là. Et quand il y a le monde qui connaît dit tout, il y a qu'on dormi, il y a rêvé, il y a une source de l'eau qui a coulé. Source de l'eau qui a coulé, c'est symbole l'Esprit de Dieu qui a l'œuvre, c'est-à-dire qui est en action. Et de l'eau, le baptême, par exemple, hein, cet esprit a l'œuvre, il est en action. C'est-à-dire, il est en action pour lui provoquer une nouvelle naissance, hein, il est en action, il est à l'œuvre. Donc, le symbole de l'eau, et ça fait Jésus-Christ pour le dire plus tard, là, Jean 19, 34, hein, et ce sera et comme on de l'eau qui a jailli, le cœur Jésus-Christ sous la croix, bon, de l'eau qui a coulé, donc on source, donc, c'est l'Esprit de Dieu qui a l'œuvre. Donc, premier symbole, cet esprit-là, c'est de l'eau. Il dit donc que cet esprit en action, l'est en action. Deuxième symbole, cet esprit, la mit en nous, c'est l'onction, c'est-à-dire l'huile qui a marqué, onction, onction, onction. Donc, qui ça, il dit? Il dit donc, et consécration. Donc, bon Dieu qui prend au monde et puis la balé en mission. Bon Dieu a choisi, hein? Bon Dieu fait le choix. Donc, souvent, en pile dans nous qu'on fait expérience ça. Donc, onction, nous venons dans plusieurs côtés dans la Bible. Nous venons dans 1 Jean 2 et verset 20. Et 1 Jean 2, verset 27. Colossiens 1, verset 21. Nous venons même et symbole onction. Dans ce testament, nous venons dans Exode 30, verset 30, 22 à 32. Le Samuel a choisi et David. 1 Samuel 16, verset 13, ouais, il était pour un col l'huile là, hein, et puis le vide et le souffrant. Donc, son symbole que bon Dieu fait, on met mise sur le monde, hein, et Gémon, et qui qu'on fait, des visions comme ça. Et puis, ouais, et bon Dieu, il y a l'huile, hein, qui a vide et souffrant, yo, bon manque, qui a mis sur lui-même. Donc, il y a une onction, c'est une bonne, le symbole là, c'est, ça veut dire, il veut dire qu'il y a un choix qui fait. Bon Dieu choisit, yo, bon Dieu, retiré ou à part. C'est sa consécration, elle veut dire tout. Hein? Kodesh en hébreu, ou bien Agios en grec. Il veut dire donc, bon Dieu, foué même, dans mes temps mounio, dans mes temps famio, et puis il prend, il choisit, donc c'est une onction. Il marque avec l'huile, c'est, il vide l'huile la souffrance. Donc ça veut dire donc, consécration, bon Dieu, mettez-vous à part. Premier symbole là donc c'était de l'eau, source de l'eau qui a coulé, de l'eau qui a coulé c'est action de Dieu. Deuxième symbole là donc c'est onction, marque là qui veut dire consécration, bon Dieu choisit au monde, bon Dieu bon. Troisième symbole l'Esprit Saint c'est du feu. Du feu veut dire donc fécondité. Fécondité. Donc le symbole ça a fait, il veut dire donc que énergie a bon Dieu et cet esprit a baillé en énergie, la baillé en force. La bayon puissance, son côté sûrement que tu as une faiblesse, son côté que tu as un doute, son côté que tu as une tristesse. Et puis, mon Dieu, tu manques force. Donc, le ça, l'esprit s'est descendu sous forme du feu, et puis il agit. Donc, troisième symbole, ça, il est très puissant. Parce que, souvent, l'église là, il trouve elle dans un moment de tristesse. Donc, il y a une fois la prière, tout qu'on trouve dans une situation, c'est une faible. Donc, le où est bon Dieu manifeste ses présences à eux-mêmes sous forme du feu, et que ce soit la vision, et que ce soit des fois les yeux clairs, hein? Donc symbole ça, il représente énergie, force, puissance. Donc chaque fois que bon Dieu manifeste sous forme du feu, donc c'est l'esprit donc qui a montré nous que nous a rempli avec puissance, bon Dieu, nous a rempli avec force, bon Dieu. Donc déjà, depuis l'acte des apôtres, chapitre 2, verset 3 et 4,
Noé apotio, il était recevoir l'Esprit Saint pour la première fois sous forme du feu. Donc, il était faible, il sentait fort. Il n'y a pas de capable, il pral parler. Hein? Donc, c'est ça, symbole, ça vous l'ai dit. Donc, du feu, c'est le troisième symbole, c'est l'esprit. Quatrième symbole, c'est l'esprit, c'est brouillard, là. Hein? Brouillard, on doit dire en français, la nuée. Et puis, lumière, là. Il y a une lumière qui éclaire sur le ciel, là. Ce symbole qui est très puissant, c'est le salive l'a dit, manifestation, transcendance ou encore la gloire de Dieu. Ça veut dire, bon Dieu, là. Là où on doute sous puissance, bon Dieu, hein? Bon Dieu pourra manifester soit à travers un brouillard ou bien à travers une lumière à vous-même. Brouillard et lumière, ça veut dire, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Bon Dieu là, bon Dieu présent. Des fois, le peuple a l'en doute, le ennemi a oppressé ou l'écrasé, bon Dieu qu'on passe à travers le brouillard et la lumière pour le faire connaître qu'il est là. Des fois, on nous décourage tellement, et bien, levez yeux, lui maintenant nuit, levez yeux, regardez ciel là, hein? Bon Dieu, les grands champs, soit dans la lune, hein? Les permettent en lumière, en rayon de lumière, venez de nous, ça veut dire, lila. Oh, bon Dieu, là, il faut qu'on ait, il pas abandonné. Donc, nous, il fait expérience ça, Isaïe, plus bizarre, il a fait expérience ça, dans Exode 24, verset 15 à 18, dans Exode 33, verset 9 à 10, tout, nous, brouillard là qui remplit tente et réunion, côté peuple a réuni, ancien était réuni pour te parler. Le Israël a marché dans le désert, après qu'il voulait le faire, l'Exode 40 là, et pour avoir une lumière là, l'Esprit Saint pour aller guider pour le montrer qui voulait plus haut. Donc, le brouillard et la lumière, c'est troisième symbole, non pas troisième plutôt, quatrième symbole, l'Esprit Saint. Maintenant, cinquième symbole, l'Esprit Saint, c'est soa, le sceau. So. Donc, soa, c'est le symbole, hein? Avec soa, bon Dieu, marqué petit lio. Donc, c'est, nous, ça dans Jean chapitre 6, verset 27, dans 2 Corinthiens 1, verset 22 également, nous, donc, et bon Dieu, qui, à travers le symbole so, a mis sous mounio, caractère, marque, appartenance à lui-même. Donc, le so signifie, donc, bon Dieu qui imprimait la caille yon moun marque filiation à lui-même. C'est-à-dire, ou pas yon créature, ou c'est yon petite. Et en tant que petite, ou gen droit à participer dans sa papa ou gagne, sa bon Dieu gagne, sa maître ou chef ou. Alors, on nous dit plutôt papa ou. Donc, souvent, nous gagne pour nous, ouais, marque ça dans l'expérience chrétienne nous de chaque jour, l'expérience de foi nous, l'expérience de conversion nous. Le bon Dieu voulait faire connaître tout bon vrai. Regardez, ou même, c'est pâle ou y est, c'est symbole soa la présenter devant. On marque et admettez sous. Et même gens, et moun ou tempé, le ou gagne on lettre ou voyez, pour moun pas connaître que c'est pas on traque que papi aye, ou met on sceau sous lui. Hein? Pour moun connaître que ça, c'est propriété privée, c'est affaire pâle ou marque pour n'importe qui qui veut pour le connaître et tel c'est pam pas approché pas touché. Donc bon Dieu utilisait souvent même symbole ça pour présenter même idée ça pour faire nous connaître que c'est pas nouyé nous imprimer un caractère dans nous-mêmes c'est pas nouyé c'est affaire pas nouyé donc pas oublier rester ensemble avec lui rester là pour lui ennemi en pas pied sur nous car c'est affaire pas nouyé donc nous avançons donc dans ça dans symbole ça dans cinquième et plutôt et dans cinquième symbole ça plutôt nous voyons donc comment l'esprit de Dieu manifeste pour montrer petit bon Dieu que je suis propriété bon Dieu je suis affaire par bon Dieu en nous voyons maintenant sixième symbole cet esprit c'est la main. Souvent dans le Testament, je vais parler, on dit la main de Dieu fait tel bagaille. Bon Dieu longe mel, il fait tel bagaille. Et nous allons prier à tel monde, Jésus-Christ va le prier, puis Jésus-Christ longe mel, il impose la main, et le malade le guérit. Souvent, nous voyons ça. Nous voyons ça dans Matthieu 6, verset 5, Matthieu 8, verset 33, verset 23, Marc 10, verset 16. Nous voyons donc, souvent, il présente le symbole main pour montrer nous que bon Dieu a l'œuvre. Et nous-mêmes, tout, bon Dieu demande nous, pour nous capables de le prier, pour nous cas, by imposition des mains. Ça, imposition des mains, veut dire. La main, veut dire donc, le transfert,
la transmission de l'esprit. Regardez tout, à la fin de la messe, ma baye bénédiction, m'loger même sous foule là, m'loger même sous nous-mêmes comme peuple là, m'a transmettre nous, m'a ban nous, m'a partager avec nous l'esprit, la puissance l'esprit. Donc, effusion toute puissante de l'Esprit Saint, il fait donc sous forme mère, à travers la main, par le truchement de la main. Donc, l'Église toujours gagne même formule ça. Jésus-Christ, de la transmettre, monde qui malade là, et puissance, toute puissance Esprit Saint, l'illogémène. Et puis, puissance Esprit Saint guérit malade là. Et nous-mêmes tous, nous besoin, en plus, les parents m'ont invité à nous faire ça. Et l'illogémène, on soutient mon yo, prier sous yo, bénir yo. C'est-à-dire, on transmet yo, effusion, c'est l'effusion de la toute puissance du Saint-Esprit. Donc, et la main, c'est on l'autre et c'est sixième et symbole nous l'esprit de Dieu qui a l'œuvre, donc côté effusion et transmission toute puissance Esprit Saint a fait. Nous restons maintenant de l'autre symbole à nous garder rapidement et septième symbole, c'est souvent la Bible a parlé le droit de Dieu et le quand Dieu longe droit le droit de Dieu, c'est le symbole de libération ou bien le symbole d'exorcisme. Le homme est enchaîné par un diable. Souvent, ou après, l'Esprit de Dieu qui paraît sous la forme de un douette. Alors, douette ça lui-même, c'est une libération. Ou même qui doit dire, c'est Dieu qui a agi en tant que juge. C'est Dieu qui a agi, qui a baillé sentence. Le droit de Dieu. Nous, dans Exode 31, verset 18, dans Luc 11, verset 20, nous, il dit, c'est le droit de Dieu, c'est par le droit de Dieu que Jésus a expulsé les démons. Hein? Le bon Dieu parle de condamnation en Nabucodonosor, qui a fait mal, qui mal, c'est le droit de Dieu qui a écrit, mais qui péchait au fait. Donc, le droit de Dieu, c'est Dieu donc qui est en position de juge, c'est Dieu qui est en position pour de la baille sentence, ou bientôt la baille et libération. Donc, sentence pour le diable, sentence pour le monde qui a fait ça qui mal. Le droit de Dieu, à l'œuvre, le droit de Dieu a agi, le droit de Dieu. Donc c'est symbole Dieu qui prend autorité, qui a agi, qui siège en tant que juge, qui a baillé libération, qui a baillé sentence. Maintenant, huitième symbole là donc, c'est la colombe. Hein? Et c'est nous songer dans Noé, dans Genèse 8 verset 8 à 12, nous te ouais, c'est dernier symbole là ça. Septième symbole ça. La colombe, nous te wali, lui-même, lui dit donc, c'est symbole de renouveau, symbole et de la paix. Bon, renouvellement qu'a fait. L'ancien temps s'en est allé. Chaque fois, nous est colombe là, c'est symbole que nous avons une nouvelle phase, nous avons le renouveau. Et nous croyons, l'Église aujourd'hui, après la pandémie virus là, la pandémie coronavirus ça, nous avons besoin d'utiliser en pile symbole de la colombe pour montrer au monde, pour montrer aux hommes qui gens nous maintenant dans un temps de renouveau. Un temps de renouveau côté ancien temps, nous pas là-dedans encore. Je ne te connais fait l'Église, je ne te connais fait famille, je ne te connais créer monde, je ne te connais fait pays, hein? L'ancien temps en est allé, donc s'en est allé. Donc, avec le symbole de la colombe, chaque fois que Dieu va permettre que nous soyons colombe, soit dans vision, nous, soit dans prière, nous, chaque fois que nous allons l'Esprit du manifester sous forme colombe là, nous avons besoin qu'on ait, bon Dieu a parlé avec nous donc pour dire nous, bon renouvellement qu'a fait, bon renouveau qu'a poté, bon nouveau bagaille qui va passer dans le monde là, préparez-nous à ce renouveau. Donc, nous avons vu avec vous ces sept symboles qui nous permettent de discerner la présence de cet esprit. Donc, premièrement, nous avons le symbole de l'eau qui symbolise et qui dit nous, bon Dieu, l'Esprit bon Dieu en action. Deuxièmement, nous avons l'onction d'huile là, et passer l'huile là, qui est le symbole qui a dit nous, que bon Dieu lui-même, il choisit nous, il prend nous pour mettre à part. Troisièmement, nous avons le symbole du feu là, qui est transmission énergie, bon Dieu là. Quatrièmement, nous avons le symbole bouillard là, avec lumière là, qui voulait dire donc, que bon Dieu voulait faire petit peu connaître que l'île là, que le pas abandonné. Et cinquièmement, nous gagnons le symbole soa, marque là, qui voulait dire que bon Dieu, lui voulait faire nous connaître, c'est pas nous, c'est pour nous. Sixièmement, nous gagnons cinquièmement, nous gagnons la main de Dieu, c'est-à-dire, c'est le, lui a plongé, l'Esprit Saint apparaît sous forme main, ou bien nous-mêmes, tout n'a prié, nous loger, mais nous, c'est effusion,
toute puissance de l'Esprit, cette transmission de puissance de l'Esprit Saint. Ensuite, et nous gagnons, et cinquièmement, et sixièmement, le droit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu manifesté, présenté sous forme d'être là, le droit de Dieu, ça veut dire que bon Dieu a siégé en tant que juge, la baille sentence, et la condamné, et puis, dernier image, dernier symbole, c'est le symbole de la colombe, qui lui-même, déjà, j'ai noté où elle est depuis noyé, c'est symbole de renouvellement. Ça veut dire qu'un nouveau départ que le monde apprend, bon, un nouveau commencement. Bon Dieu qui pourrait faire tout le bagage, vie neuf, nous pourrait entrer donc, dans un nouveau temps. Nous avons vu avec vous donc aujourd'hui les sept symboles du Saint-Esprit. Qui ça donc nous a conclu? Qui ça voulait dire nous aujourd'hui à le message ça? Il voulait dire nous donc apprendre, discerner présence de l'Esprit bon Dieu dans la vie. Chaque fois que bon Dieu gagne une route que le voulait faire avec vous, apprendre, discerner. Et chaque symbole ça y est, c'est une manifestation de présence bon Dieu pour une raison, pour un but bien déterminé. Que ce soit depuis Dieu comme source de vie qui veut dire la vie pour vous, jusqu'à dernier symbole colombe là qui veut dire bon renouvellement quoi le fait, l'Esprit de Dieu donc, il manifeste présence. Il y a une façon pour permettre au monde nous capable de discerner, mais qui ça qui a fait dans ce moment là, mais qui gens pour espérer, pour continuer de marcher avec bon Dieu. Non sens parle, non façon parle, et pour capable continuer, faire mission, faire œuvre sur la terre. Pour espérer et pour croire que symbole ça, que enseignement ça, pas passer dans nos oreilles pour sortir dans l'autre, on demande bon Dieu puissance parle, on demande bon Dieu force parle, pour le capable. Mettez parole ça dans le cœur, nous, dans la prière. On va inviter au cougnier à disposer cœur, fermez yeux, baissez tête, nous, à nous entrer donc dans ce moment de prière. Pour Dieu, pour bon Dieu, lui-même capable de permettre que vérité par là, grandit dans que nous dans la vie, nous, pour nous porter des fruits qui demeurent. Entrez dans nous-mêmes, dans le silence cœur, et en nous la prière, bon Dieu, ensemble. Dieu d'amour, Dieu de force, Dieu de vie, Dieu de sainteté, nous faisons chaque compliment pour nous, aujourd'hui. Nous demandons autant prier, bon Dieu, permettre que dans le septième jour, nous vienne à l'esprit, c'est ça, nous venons trouver nos devants. Pour nous avancer dans justice ou accepté, mais pour nous apprendre à discerner présence. Bon Dieu, aide-nous à discerner le pagaie la vie pour nous connaître, puisque c'est le Dieu de vie qui a toujours bannu la vie. Seigneur, aide-nous à discerner que nous manquons de force, de bon côté pour nous aller, que nous là pour bannir force, que force pour toujours renforcer nous, a toujours qu'aider nous, a toujours pousser nous en avant. Seigneur, en pile fois, nous ne savons pas qui est-ce nous, nous perdons l'identité. Aidez-nous à travers l'Esprit Saint, on a l'Esprit Paul là pour nous connaître qui est-ce nous. Oh, en vérité, nous sommes petits tout et nous gagnons avec nous-mêmes, en nous-mêmes, par nous-mêmes, droit à tout ça. Seigneur, t'en prie, mais chaque moment qui peut arriver dans la vie, nous pouvons être ennemis à attaquer nous, pour craser nous. Nous pouvons penser que les bras là pour briser nous, pour finir avec nous. T'en prie, à travers l'Esprit Paul là, l'Esprit Saint, aidez-nous comprendre que puissance pour l'an, nous déjà, nous capables de chasser ennemis loin de nous-mêmes. Seigneur, à travers chaque moment dans la vie, nous allons trouver nos poumons en face. On série de moments côté. Gagner dans la vie, nous. Exploitation avec injustice. Seigneur, fais-nous connaître qu'on son bon Dieu qui a un plan, il va appeler quand même pour restaurer la vie. Et enfin, Seigneur, le nous en face à un monde, nous ne savons pas qui j'en ai parlé, nous sommes capables de dégringoler. À travers puissance, l'Esprit par là, aidez-nous connaître où sont bon Dieu qui prêt pour faire un renouveau, pour recréer toute bagaille. Seigneur, aidez-nous à travers l'Esprit par là pour nous grandir et avancer, pour que le monde connaisse, pour que le monde croit. Ou même, oui, ou même, où c'est bon Dieu qui voulait pour vous vivre, pour frère et soeur. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous espérons donc que le septième jour ne vienne aujourd'hui à l'Esprit Saint à permettre de monter tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à ce qu'on arrive pour la fête de Pâques, ouais, et vive bon Dieu dans la vie par à travers son Esprit Saint, capoté puissance, capoté force pour nous. Donc, c'est notre rendez-vous avec vous pour une prochaine fois. Mais d'ici là, nous disons, quittez l'Esprit bon Dieu, guidez-vous. Même si vous t'as trouvé en exil à Babylone ou bien en Égypte, bon Dieu lui-même, la puissance parle,
la permettre que ou même ou rivez Canaan avec l'esprit pâle qui va marcher avec vous. Bonne soirée à tout le monde. Kembe FM avec bon Dieu et continuez dans un neuvaine pour nous capables de faire belle montée ça ensemble pour nous joindre l'esprit qui est avec nous. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Emporte-nous dans ton éloi.